Si tu veux nous rejoindre sur le Discord de Prono, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Dès ton arrivée, tu auras accès à différents types de pronostics ainsi que des montantes. Et bien sûr, ton premier pari est remboursé s'il est perdant. Si tu veux acheter des crédits FIFA au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur U7Buy. Grâce à mon code promo Cyril73, tu auras une grande réduction parmi tous les services proposés sur le site. Lien dans la description. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui l'équipe pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va vous faire plaisir. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un mini club tour, plus particulièrement une petite présentation d'équipe, et aussi vous annoncer un énorme concours qui est ouvert à tout le monde, où il y a plus de 1 000 € de lot, entre guillemets, à gagner. Avant de commencer cette vidéo, vous savez très bien que sur le Discord des pronos, les gars, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pronos de folie, du tennis, du foot, et c'est ouvert à tous. Et bien le concours est en rapport au prono. Deux choses à faire, les amis. C'est très très simple pour participer aux différents concours qu'il y a sur le Discord. C'est le rejoindre tout d'abord. C'est le lien qui se trouve dans la description. Voilà, c'est super simple. L'application Discord, ceux qui ne l'ont pas sur téléphone ou sur PC, vous pouvez la télécharger. C'est gratuit sur PC ou sur Google, vous l'avez. Et sur l'App Store ou Play Store, vous l'avez. C'est gratuit. Bon, bien sûr, vous créez un petit compte gratuit, hein, basique. Et vous rejoignez le Discord. Une fois cela fait, vous arrivez et vous m'envoyez un message avec à l'intérieur le mot concours. Parce que il y a de bon nombre de choses à gagner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, Cyril? Je vous mets un petit screen à l'écran. Il y a 5 fois 50 euros PayPal à gagner. Donc 5 personnes qui vont gagner 50 euros PayPal. 10 personnes vont gagner 20 euros. Cette fois-ci en PSF Card. Les PSF Card, c'est utilisable de partout. Vous pouvez mettre sur la console, vous pouvez mettre sur les sites de paris sportifs. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec des PSF Card. Il y a aussi 20 fois 10 euros en PS Card. Donc 10 fois 20 et 20 fois 10. Qui vont à peu près 30 personnes qui vont gagner, et 10 VIP à vie. Je rappelle que le VIP à vie, il est d'une valeur de 50 euros. Et oui, c'est pas rien. Donc tous ceux qui veulent peuvent participer, c'est pour fêter les 3400 membres sur le Discord en un an. C'est totalement incroyable. Je tenais vraiment à vous remercier. Donc pour ceci, je vous fais gagner plus de 1000 euros en total. Ça équivaut à 1000 euros, ce qui est totalement énormissime. Donc pour participer, c'est simple, hein, faut bien sûr avoir le Discord, nous rejoindre, m'envoyer un message privé, c'est tout, voilà. Et après, t'as juste à lire ce qui est marqué, et puis, c'est tout. Voilà, maintenant, petit tour de mon équipe, parce que je connais vraiment à vous la montrer. Beaucoup m'ont demandé, ouais, t'as fait William, comment tu vas le caser, comment tu joues avec lui. Et bah franchement, j'ai fait une petite équipe avec, sympathique. Petite équipe, juste dans le fait que je prononce le mot petite. Hein. Mais sinon, ouais, William, très très bon. 4 matchs, 3 buts, une passe D. J'ai fait que des matchs en division Revolts. 4 matchs, 4 victoires. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que la Revolts, c'est nettement beaucoup plus dur que le mode Fut Champion. On part sur un dispositif in-game 4-2-3-1. Je mets Balak avec De Rossi en 6. Logique. En 10, Mkhitaryan. À gauche, Monsieur Hazard. Et de temps en temps, j'inverse. Alors, soit je mets Best Buteur et William côté droit, soit je mets William dans l'axe et Best côté droit. Donc j'inverse un petit peu les deux, et pour en revenir sur le William, il est vraiment très 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 bon, pas très cher, on l'a eu pour vraiment pas cher, et je vous le conseille fortement parce que il a les petites statistiques qui font plaisir sur un FIFA, notamment son 93 d'agilité, tu le sens vraiment de fou. Et je lui ai mis un petit style Vista, plus 3 tirs, plus 3 passes, qui le monte à 99 de finition. Et c'est vrai que, bon, quand on peut tirer, on tire. Hein, en revolt, généralement, je gagne pas 8-0, c'est 1-0, c'est 2-1, donc c'est des matchs très serrés. Et William, je l'apprécie fortement. Donc voici un petit peu mon équipe, le banc de touche, qui est vraiment très intéressant. On a un Marcus Rashford, que j'ai toujours en prêt, qui est vraiment très très bon. 12 matchs, 9 buts et 2 passes. Ce sont que des rentrées pour Marcus Rashford. Savic, c'est très bon. Pepe, j'aime bien. Nedved, super fort. Alors, je tourne un petit peu, parce qu'à force de jouer toujours avec les mêmes joueurs, ça se saoule. Donc du coup, on a sorti Nedved, enfin Mkhitaryan, Nedved pour faire jouer Mkhitaryan. Après, qui est vraiment très intéressant, que je vous recommande, c'est Benjamin Mendy. J'ai fait 10 matchs avec et j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Et après, bon, petit Sterling qui est pas mal depuis qu'il a pris le up. Torres, c'est correct. Et pour ceux qui veulent voir, entre guillemets, le reste de mon club, il est très faible. Hein. Regardez, j'ai que deux joueurs vendables ici, c'est Chiesa et Dabur. Ou Dabur. Et après, bon, carte, grosse carte. Voilà, on a toujours le petit Zlatan qui est intéressant. Ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à le faire. Il est disponible, entre guillemets, pour une autre version qui est défenseur. Mais bon, on s'arrange en équipe, vous pouvez mettre où vous voulez. Royce, Payet qui est quand même pas mal aussi, manque un petit peu dans l'endurance,
comme le Pate IRL, hein, pas très très bon du point de vue endurance. Brand que j'ai fait, j'apprécie pas mal, très agile avec le ballon, très à l'aise. Devant la cage aussi en finition, donc plutôt pas mal. Le petit Allison OTW qui sert pas à grand chose parce que bah, pour le moment il n'y a pas de match. En espérant qu'il prenne un up parce que c'est un très bon gardien, 4K88. De Gêne, après que sur en SBC, récemment pareil, Kurzawa. J'ai fait quoi, un peu plus de 10 matchs avec Mendy, 18 matchs avec Kurzawa. Les deux sont très très forts, les deux sont français et ils permettent de caser différents joueurs pour ceux qui ont, je sais pas, des joueurs comme. Neymar et Mossé, bon, c'est une solution. Pour ceux qui veulent caser Payet, c'est une solution parce que c'est un très vert du même championnat. Il y a pas mal de solutions. Les deux sont vraiment très très bons entre Mendy et Kurzawa. Je peux vous les recommander. Je sais pas s'ils sont encore disponibles dans les packs. Torreira, que j'apprécie énormément depuis qu'il a pris son up. J'ai rejoué avec. Il est très 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 fort. Socrates, pareil, en espérant qu'il prenne un petit boost. Inch'Allah, un de ces quatre. Richarlison, que j'ai packé en un up, que j'ai pas encore testé et que je vais tester dans l'équipe. Si je vais enlever Best un petit peu et tester Monsieur Richarlison. Hein, sinon, voilà, un petit club sympathique. Qu'on commence à évacuer un petit peu les joueurs rouges à force de les mettre dans des SBC. Voilà une toute petite vidéo, vraiment toute petite, hein, pour vous parler un petit peu, les amis, de mon club et surtout du concours, qu'il y a un énorme concours qui dure à peu près 15 jours. Donc n'hésitez pas vraiment à en profiter. C'est très simple, tu rejoins le Discord en te créant un compte ou non, enfin, ou si t'en as pas, tu t'en fais un. Bref, tu connais les bails, tu m'envoies un petit message concours, tu participes tout simplement. C'est vraiment très simple. Il y a énormément de personnes qui vont gagner. Pour le moment, il y a 45 gagnants garantis. Et c'est fort probable que j'en fasse gagner, pourquoi pas 10, 15, 20, même 30 en plus, en fonction du nombre de participants pour le concours, tout simplement. Donc je vous souhaite en tout cas une agréable journée, les amis, prenez soin de vous, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.